studio Bodyfix et de la formation Ergothérapeute. Aujourd'hui, on va faire un relevé du plancher pelvien. Les exercices vont travailler prédominant le grand fessier et le repas, il va avoir une activation de quadriceps et la mandibule cuisse. Donc, je suis sur mon trigogène, je l'ai montré à niveau 4. Alors, parce que c'est un niveau 4, ça devrait nous donner assez d'un levier. Pour ce mouvement-là, d'habitude, tu veux être niveau 3 et plus haut. Je vais le démontrer à deux jambes. Mais l'idéal, si notre client en peut, c'est de faire une jambe à la fois. Commencer avec le côté faible, continuer avec le côté fort, et que le côté fort, si le côté faible peut juste faire une répétition, on fait la même chose avec le côté fort. Donc, dépendant de la façon que je vais placer mon pied, ouvert, droit ou de côté, ça va travailler différentes fibres, comme on a déjà utilisé dans le squat et dans la fente. Pour le démontrer à deux jambes, proche de ma cage thoracique, mon sternum commence, je suis couchée. Ça, c'est la première chose. Étape 2, on pousse la planche et on va avoir assez d'espace pour le compresser la terre pour lever et descendre. Mes jambes sont à peu près 90 degrés. Si je les pousse trop par en arrière, le levier n'est pas assez bien, il n'est pas assez stable. Quand il est en ligne avec les chevilles, on peut aller vraiment rouler le bassin et de rouler. Alors, au lieu de juste travailler avec le pivot de la cage thoracique, on veut rentrer le ventre, contracter les fessiers levés pour aller activer les quadriceps et dérouler une vertèbre à la fois. Alors, on veut rentrer le plancher pelvien, le rouler et descendre. Bien sûr, l'idéal, c'est de faire un jambe à la fois. Donc, on place la jambe qu'on veut travailler en ligne avec notre nombril, vraiment au niveau médial de notre corps. Je lève l'autre jambe et je descends et je lève. Je descends et je roule, je lève. Pour les personnes qui ont vraiment une faiblesse du fléchisseur, vous avez le droit de mettre une jambe par-dessus l'autre. Si vous la placez en diagonale, il faut faire attention que le bassin ne tourne pas et qu'il reste vraiment en ligne avec les deux rails du glideboard et du BTS pour monter et pour descendre. Bien sûr, on peut aussi exécuter l'exercice avec les jambes larges qui va aller chercher plus le